take the whole city down with this. I take the whole city down with this. Wanna be down, wanna dash, wanna go fast, wanna be brave, wanna move like an assassin. Just sprint to the last, not acceptable. Now it's time to get serious. The only question left is the start. I still think I'm the best. People can laugh, people can doubt, but I know my level. Summer is coming. You can see it is right there, it's getting closer. Your energy means enemies are getting colder. On sait pas chercher pour le spring, mais cet été on va montrer notre vrai potentiel. It's the night that we strike, be like cobras. Take a minute to power up. Then it's over. Wanna be down, wanna dash, wanna go fast. You have been hyped by my split? Wait until you see this one. Power is everything. The voice inside your head said that you can do it. As always, we would expect to win the title, finally give BDS what they deserve. And for the final, next time it will be different. You can see it is right there, it's getting closer. Your energy means enemies are getting colder. It's the night to power up. On ne se lâche jamais de gagner, donc ça faut tuer la Carmine pour savoir. Bonsoir, bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue sur OTP, c'est l'ouverture du Summer Split de la LFL 2024. On est ravis de reprendre bien sûr, ravis de vous accueillir sur notre plateau qui n'a pas fait peau neuve mais des rafraîchissements, des petits ravalements de façade, on espère que vous allez apprécier tout ça. En tout cas nous on est très heureux de vous retrouver, hier c'était la réouverture de la Div 2 pour son Summer Split et donc la LFL, la grande sœur qui ouvre enfin ses portes après quelques mois de pause. Ça fait un petit moment, mais rassurez-vous, on n'a pas perdu les bonnes habitudes. Installez-vous confortablement. 5 matchs arrivent pour vous distraire. Et on va vous expliquer, bien sûr, tout ce qui a pu se passer durant cette off-season qui a été dense. Peut-être avez-vous déjà certaines clés en main si vous avez suivi notre émission Mercato avant-hier. Dans tous les cas, on est là pour faire un petit complément, bien entendu, avec moi dans ce pré-show, la Dream Team. Évidemment, l'ancêtre et la jeunesse, Chips et Tréton sont à mes côtés. On est bien bleu aujourd'hui. Vous êtes accordés avec la DA de ce summer. Superbe touch, messieurs. Chipsou, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, Twix. La vidéo de reprise est vraiment cool. Le bleu de la mer, effectivement. Mer qu'on va beaucoup voir depuis nos studios de la LFL cet été. Mer de qui? Non. Ah, mer. Okay, non. Tu commences déjà. Non, mais. Quand ça, mer de qui? Je pouvais pas me retenir. Très con. Il y a Paris-Plage. Ouais, il y a Paris-Plage, c'est vrai. J'ai toujours pas la mer, c'est la rivière. Et il y a les JO aussi, donc on va nager. Il paraît qu'on pourra nager dans la Seine, Tréton. Ça a pas été annulé, ça? Ils ont pas cancel? Bah non, je les ai vus, ils ont mis du colorant et tout pour que ça fasse un petit peu Seine des Tropiques. Ok, lourd. Écoute, nous aussi, on a mis du colorant sur les écrans. Du coup, c'est vrai que le bleu est plutôt sympathique. La LFL reprend. Il y a pas mal d'enjeux, il y a pas mal de changements. Il y a des tier-list qui sont très très difficiles à faire. Franchement, ça va être intéressant de voir le niveau des équipes. Ah, et on fait déjà la promotion de son propre YouTube, monsieur Tréton. Ah non, je pense que c'est vraiment OTP, pour le coup. Ah ouais, on a galéré à l'affaire. Bah ouais, la fameuse tier list. On a mis un tir sans rien, genre carrément, c'était tellement dur. Il y a un tir, il n'y a personne. On s'est pas mouillé, c'est tout. Mais en tant que broadcast officiel, voilà, on peut pas tout se permettre. La coupe, elle est derrière toi, Tréton. La voilà, la Carmine. Bah oui, du coup, on l'a reprise, ça, qui est qu'un seul exemplaire. Mais on va voir s'ils réussissent à la conserver ou non, parce qu'il y a pas mal de gens, je pense qu'ils vont essayer de leur shipper.
Ce sont les champions en titre. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet de ce pré-show, début de saison, messieurs, un petit bilan. On sait que notre cher Audimat adore ces petites updates des aventures de leurs commentateurs favoris au sein du ladder européen. Écoute, vu la gueule du ladder européen à OLO, on n'est pas prêt de rattraper la LCK, ça c'est sûr. Et je pense qu'il faudrait avoir 5 Coréens par équipe en LFL en vrai. Et blague à part, non, sinon, j'ai trouvé un stuff, je pense, broken sur Bard. Du coup, je m'en sors et je suis en train de remonter, mais c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. On te souhaite bon courage, traitons les aventures de Chipsou. Pas trop mal, hein. Puis on a notre duo infernal qu'il faut pas révéler. Il faut pas que les gens connaissent le combo pour les free LP. Ouais, j'ai dataminé ce que fait Scout en LCK pour free LP et du coup je copie. Il fait quoi? Il fait des trucs très spéciaux. Il fait hiver de mid ou pas? Parce que j'ai eu un hiver de mid et c'était nul. C'est Scout. Oui, il fait pas hiver de mid. il fait pas hiver de mid. Mais écoutez, peut-être que je révélerai, bien sûr, ultérieurement, une fois qu'on aura engrangé assez de points. Mais ça se passe bien pour nous, bien entendu. Allez, mesdames et messieurs, on rentre dans ce pré-show. Tout d'abord, eh bien, le Spring, il était beau, il était juteux, plein d'action. Voici quelques chiffres pour résumer un petit peu tout ce qui s'est passé, pour qu'on tourne enfin la page. Nous avons eu, dans ce segment de printemps, 111 games. Un chiffre comme je les aime. Moi, j'aime beaucoup ce chiffre-là. 3148 kills, dégâts infligés, c'est toujours la data, elle veut rien dire, mais elle est stylée. Elle est très stylée. Les cryptes tués, voilà, un petit massacre, mine de rien, comme chacune des saisons. On fera un comparatif, on s'est déjà mis en place avec Xenesis pour faire un comparatif par rapport aux saisons précédentes de la LFL, histoire de savoir si on farme plus ou moins. 149 solo kills, nous avons eu durant cette saison. Bah ça, c'est bien, parce que ça veut dire qu'il y a plus d'un solo kill par game en moyenne, donc ça c'est stylé. Par contre, que deux pentakills, oui. Alors qu'il y a eu, ça a été quand même le split de Smolder, oui. Je suis déçu. Bah, il y en a eu deux, c'était Kedui et le deuxième, tu t'en souviens, mon cher? Il n'y a pas un Knarr qui a penta? Il a Quadra avec son. C'est un top laner qui a fait un deuxième. Bah, c'est Lot ou Ragnar, non? Non, pas du tout. Non, c'est agressif avec Karma de merde. Oui, voilà. Je t'avais posé la question dans un quiz qui sortira bientôt sur YouTube. C'est effectivement agressif où tout le monde a sauté dans la fontaine pour lui donner. C'était un moment de solidarité, bien sûr, qui était délicieux. Deuxième page de ce récapitulatif en quelques chiffres de la LFL Spring. Champion le plus joué, Rael 64. Hein, 64 games, le Flex Jungle Sup qui n'existe plus, bien entendu. 97 champions joués. C'est énorme. C'est beaucoup. C'est très très bien. En termes de compétition, on est vraiment dans le haut du panier, traiton. Vive la LFL. Attends, mais il y a quoi? Il y a 140 champions, un peu plus maintenant? 145 peut-être? Non, 160 et quelques. 160. Ah ouais? Ouais. Ça explose à ce point-là? Ouais. Oui. Ah oui, la démographie sur League of Legends a explosé. Ouais. Mais 97, c'est immense, j'ai l'impression. Ouais, quand tu penses qu'on a des champions comme Amumu, Nunu qui peuvent sortir. On a eu Nunu, ouais, c'est vrai. Hein. Nila, des trucs assez stylés. Non, bravo, la LFL. Pas, hein. La LFL a une grande champion pool. Nos 10 équipes sont fabuleuses. Game la plus longue, c'était KCGO 49-25. Tu parlais de Smolder. Bah, c'était le match retour. Exactement. Ça me paraît pas énorme aussi. Je pensais qu'il y en aurait peut-être à plus de 50. Et surtout, en termes de game la plus courte. 24, c'est pas si court. C'est pas si court, 24-43. Bon, je sais pas, j'ai vu récemment, on a vu la MSI, on avait des 17. Donc je peux te dire que le niveau est un peu plus homogène en LFL. C'est on vrai, a 168 champions, au fait, hein, juste pour préciser, dans League of Legends. Donc on est vraiment pas mal en termes de ratio. Largement plus de la moitié a été opéré en LFL. Game la plus meurtrière, c'était le Bekarog Gentlemate. 56 kills, une véritable fiesta. Durée moyenne à 33 minutes. Et en moyenne, en LFL, quand vous regardez une partie de LFL, vous avez un tout petit peu moins que 1 kill par minute. Ce qui est bien. Ce qui est beaucoup, hein. Ouais. C'est une bonne stat, hein. Ouais. En vrai de vrai, tu ne t'ennuies pas, du coup. Alors qu'en LCK, si on fait la moyenne. Ouais, on s'ennuie pas en LFL. Hein. Ça, c'est un statement. Mais en LCK, la façon dont ils posent les wards. Après, la LCK, récemment, j'ai l'impression que ça joue un peu plus vite. Il y a un moment où on pouvait plus les mêmes, mais c'était il y a plus 3-4 ans, je pense. Disons qu'il y a des tops équipes et pas des tops équipes. Je pense que c'est un constat. Mais la LCK reviendra bientôt sur OTP. Vous pourrez vous faire votre avis, bien sûr, mesdames et messieurs. Alors, première nouvelle, on en a déjà parlé durant l'émission Mercato avant-hier. Et donc, si vous n'étiez pas présent, ça va peut-être vous faire bizarre. Mais figurez-vous que la LFL ne va pas reprendre sur la nouvelle saison de League of Legends, sur le patch 14.10, avec les nouveaux objets, avec les nouvelles améliorations, la nouvelle jungle, avec plus d'expérience, etc.
Toutes ces données-là, il va falloir les mettre malheureusement de côté parce que nous allons jouer sur le patch 14.9 pour démarrer la saison. Alors oui, c'est un petit peu bizarre, mais bon, le règlement, c'est ça. Alors le patch 14.9, c'est tout simplement le patch du MSI plus 1. Et voici les changements majeurs qu'il y a entre ces deux patchs. Le MSI, on l'a tous suivi, on est plutôt pas mal installé au niveau de la méta. Mais dans les gros changements, eh bien, à mon sens, il y en a deux, traitons, et tu vas me dire si tu confirmes ou non. Les nerfs sont relativement mineurs sur les quatre champions cités, mais comme ils étaient omniprésents, oui, il fallait les mettre. Mais le buff de Kennen, qui peut maintenant incanter son ultimate en bougeant, est assez important. Et bien sûr, on va célébrer l'arrivée de Skarner. Ben ouais, c'est Skarner, moi, ça me terrifie. J'avais complètement... Parce que autant, ouais, version 14.9. Kennen, il y en a quelques-uns et tout, et en effet, c'est pas mal. Mais Skarner, je suis terrifié. Parce que le champion peut être joué littéralement... Je pense que c'était très très bon support dessus, je pense que ça marche très bien. Mm-hmm. C'est très bien en top lane. Ce que vous monte sur Skarner... Un démon. Je suis pas sur mon stream, donc faut que je... Bon, disons qu'il a un bazouzou reconnaissable. Il est vraiment... Il est invincible. C'est impossible de gagner une game. Enfin, le champion, quand il est bien joué, est ridicule. Alors, et il est triple flex. En Div 2, il n'a pas été banni, ce champion, figurez-vous. Hein. Mais BDSA, si KCB n'a pas fait ses devoirs, et ils les ont fait parce qu'il se perd majouant sur le Q... S'il y a Skarner Open, je pense que ce que le monde se jette dessus. Je pense. Hein. Tu te mouilles pas, je pense que l'information. Oui. Si tu le sais, tout le monde le sait, je pense, mon cher Tréton, bien entendu. Un commentaire sur ce patch 14.9. Ça commence à être vieux maintenant, Chipsou, mais peut-être un ressenti sur Skarner de ce que tu as pu constater. Bah, juste le champion. Le champion peut. Moi, je l'ai beaucoup joué, perso. Je sais, ouais. Mais le champion peut quand même annuler, du coup, le E de Yone. Je ne sais même pas, je ne suis pas. Je crois que tu peux. J'avais vu l'interaction, donc c'est forcément broken. Cool. Voilà. Et non, mais je pense que ça devrait être. Enfin, je sais pas si ça va être permabonne. Si c'est permabonne, du coup, c'est pas forcément cool. Ce serait sympa qu'on le voit. En fait, la position de au-delà du fait que le champion, les spells et tout, c'est ridicule. Et qu'en plus, les gens connaissent pas encore si bien que ça en compétitif. D'accord. Le fait que ce soit flex. C'est ça aussi qui fait que c'est n'importe quoi. C'est une sorte de nouvelle REL, quelque part. L'héritier de REL, on peut le voir comme ça. Mais en tout cas, on est très impatients de découvrir ce que nos chers pro-players ont à nous proposer avec Skarner. Ça fait pas mal de temps qu'on en parle, du champion. On a fait tout un MSI sans lui. Bah, écoutez, on demande que ça. Et des EMEA Masters sans lui également. Ça commence à faire un bail que Skarner a été rework. Voilà pour les données. Après, au niveau des nerfs à côté, très franchement, c'est pas majeur. Voilà, des petites modifications sur Aurelion, Ahri, Talia, Jinx, comme on l'a cité précédemment, mais rien de vraiment game breaker. Hein, ouais, c'est des micro nerfs, mais ça va être intéressant de voir si Corki va être aussi omniprésent par rapport. Enfin, je me demande si on va copier la méta du MSI, ou pour le coup, même en bot lane, Senna, Varus et compagnie, ou est-ce que plutôt on va partir sur Aphelios, Jinx, etc. Enfin, je suis vraiment curieux de voir la méta qu'on va avoir si on est en mode IMIA, qui était quasiment sur ce patch-là, à un patch près, ou si on va être plutôt en mode MSI et Corki, first pick, catch the draft, quoi. Ouais, on va rentrer en tout cas dans une compétition avec le MSI tout frais en tête, ça ne fait absolument aucun doute. On va maintenant continuer et compléter notre émission Mercato. On vous a présenté bien sûr tous les changements il y a quelques jours. On ne va pas aller autant en profondeur, mais on va aller un peu plus dans le détail sur les profils qui se sont rajoutés ou qui ont simplement bougé de position au sein de la LFL. Commençons directement avec la première partie. Les joueurs qui sont de retour en Ligue française de League of Legends. De retour donc, ils étaient déjà là. Ils reviennent pour notre plus grand plaisir. Pardon. Bad Lulu revient en LFL et donc top laner chez Aegis. Daglas, bien sûr, dans la jungle de Vitality. Et Tekset, au même poste, dans la même équipe. Figurez-vous, on est content. Oui, surtout que c'est des très très bons joueurs. Bad Lulu, c'est vrai qu'il doit encore prouver, je pense. Parce que les deux autres joueurs ont pour moi été vers le top 3 quand même de leur poste, voire mieux que le top 3. Donc c'est vraiment des retours de zinzin avec un Daglas tout de même qui était en LEC, un Tekset bon, qui a été un petit peu unfortuné sur le mercato, qui a eu des petits soucis, etc. Mais globalement, c'est ces trois joueurs qui sont vraiment très très bons, très hype de les revoir, notamment Bad Lulu. Je suis curieux de voir ce qu'il va donner, lui qui avait un profil très carré. Ouais, une escouade Aegis bien, bien rafraîchie. On est très curieux de voir ce qu'ils vont donner ce soir. Continuons maintenant avec ceux qui ont changé de maillot également entre le printemps et l'été. Il y a deux joueurs
donc 113 qui troque Bekarog pour Casey Blue. Et enfin, bien sûr, Inax, donc remplacé par Texet chez Solari, qui sera maintenant du côté de la team du Sud. Ouais, honnêtement, je pense, du côté de TDS, c'est un upgrade par rapport à Stekoldra, c'est ça ? Oui. Ouais, c'est ça, je pense que c'est un upgrade quand même. Et pour la casser, bon, on en a beaucoup parlé pendant l'émission Mercato, il y a plein de questions qui se posent par rapport au changement, au nouveau duo mid-jungle, mais 113, c'est vraiment un joueur qui peut... Enfin, quand il est dans la zone, il peut vraiment être impressionnant. Et voilà, je me demande comment cette nouvelle équipe de la KC va cliquer avec lui. Mais en tout cas, c'est intéressant parce que même on a cru comprendre qu'il avait racheté une partie de son buyout 113. Donc, il avait vraiment envie de revenir à la KC. Du coup, je pense qu'il a un supplément de motivation qui est assez énorme. À mon avis, il va tout donner. Ouais, un 113 motivé, on a vu ce que ça pouvait donner, que ce soit en LFL ou en LEC. Bien sûr, c'est tout frais, tout ça. Parlons maintenant, bien sûr, des nouveaux venus. Tu l'as mentionné il y a quelques instants, c'est normalement l'acquisition la plus énorme de ce mercato. On peut en discuter, hein, cela étant dit. Carmine Corblou remplace son mid laner, donc promu en LEC, Vladi qui sera du côté du championnat européen. Et donc c'est Abe Dague qui rejoint l'effectif de Casey Blue. Vous voyez juste sur la gauche de votre écran, eh bien, quelques-uns de ses chiffres clés dans les différentes compétitions dans lesquelles il a évolué. Et oui, c'est bien l'icône du championnat du monde, bah oui. Tout en bas, on est bien d'accord là-dessus. Les win rates, voilà, on n'a pas été plus loin en détail, mais Abe Dague, dans le cadre d'une ligue nationale, c'est un tank dans un bac à sable. Ouais, c'est un joueur qui est excellent ici, mais et qui l'a aidé en plus relativement récemment à LEC. C'est ça qui fait aussi qu'il arrive avec une grosse street cred, peut-être une plus grosse qu'un Fabiven ou quoi, qu'il avait été plus dans le temps. On l'attend comme étant très très fort, polyvalent, il est capable de tout jouer. C'est clair qu'il n'est peut-être pas aussi explosif qu'un Vladi de par son playstyle, mais d'un autre côté, en LFL, je pense qu'il va être explosif parce qu'il va être meilleur que les mecs. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'Abe Dague fasse des solo kills, qu'il prenne beaucoup de place sur la mid lane, qu'il donne une priorité à 113, qu'il leur permette de jouer très agressif. Mais il va être clé, et même pour lui, je suis curieux de voir à quel point il va être au-dessus ou non, parce qu'il y a aussi le côté douche froide où il y a des bons midlaners en LFL. Et oui. C'est pas si simple de s'imposer, il faut qu'il travaille très sérieusement quand même. On est bien d'accord là-dessus, on se rappelle ce qui s'était passé avec l'arrivée de Reckless et les attentes qui ont suivi bien sûr ce transfert. On n'est pas bien sûr sur un poste aussi légendaire que celui de Reckless, mais tout de même, ça reste un joueur tout à fait glorieux. Il ne sera pas tout seul à la mid lane quand même. Les Gentlemates également font peau neuve sur ce poste. On dit au revoir pour le moment à notre cher Jérémy Valdenern, cher Eika, qu'on reverra peut-être dans le cadre de la LFL, sans vous spoil plus que ça, bien sûr. Mireu, notre cher Mireu, qu'on a vu très récemment au niveau des EMEA Master, finaliste bien entendu. Mireu, donc, acquisition provenant de Corée du Sud chez les Gentlemates. Ça fait un deuxième, bien sûr, joueur de Corée du Sud pour accompagner Bao, qui est toujours en poste. Et Mireu, c'est un joueur qui a énormément voyagé, hein, aux quatre coins du globe, sincèrement. Ouais, au début de sa carrière, Mireu, je crois que j'avais commenté sa première game en LCK, mais il était assez hype, parce que c'était un joueur qu'on considérait comme faisant partie de la relève des très gros midlaners en Corée. Bon, ça ne s'est pas forcément très bien passé pour lui finalement en Corée, il s'est exporté, le fait est qu'il a quand même beaucoup de talent, c'est un bon joueur et dans le cadre d'une ligue nationale il est censé faire partie des tout meilleurs mid de la compétition. Maintenant, comme Tréton l'a dit, il y a la concurrence au niveau de la mid lane, il y a l'arrivée récente d'Abe Dague, tu as des tauliers comme Ricker qui sont encore là, comme Checo, donc oui. Vraiment le niveau de la mid lane va être très relevé, je pense, et Mireu a des pics en plus qui sont très spectaculaires. Ah, vous allez l'aimer, hein, je pense, le chez Akali, public, hein. Sylas, ah, il est très fort sur ses champions, donc s'il a des angles pour les pics, attention quand même. Je pense qu'on va se régaler avec ce joueur qui est explosif, qui passe jamais inaperçu. Globalement dans les games, que ce soit pour le meilleur ou pour le pire, mais en Ligue Nationale, c'est souvent pour le meilleur en tout cas, hein, soyez rassurés. On continue sur la midlane, parce qu'il y a beaucoup de midlaners, nouveaux midlaners qui arrivent, de nouveaux joueurs au sein de la LFL. C'est chez Geo cette fois-ci, un autre joueur qu'on a vu récemment au niveau du LEC, c'est Dajor, mesdames et messieurs, notre cher Dajor,
donc qui prend la succession de Sixten, qui est sur le bench du côté de la Red Storm. Donc on l'a vu en LEC bien entendu, en IMEA Master et en NLC du coup, hein. Forcément ça résonne avec les IMEA. Alors on n'est pas bien sûr avec sur la même échelle de haut fait que Abe Dague, mm-hmm. mais c'est tout de même un mid laner qu'on a pas mal vu parmi, enfin s'opposant au plus grand en tout cas. Ouais, un très très bel upgrade pour la mid lane de Géo, à ce qui par exemple, ce qu'on m'a dit, il shoot call pas mal, il comprend bien le jeu et il comprend la carte, donc ça va être intéressant de voir le niveau de Dagger qui va forcément donner un bon coup de pouce à des Géo qui en fin de split n'étaient pas forcément au meilleur de leur forme, mais qui ont aussi montré à certains moments un bon niveau de jeu. Il faut voir à quel point ça change ou non pour eux. Et dans la situation avec Bukada, très curieux, parce que je pense que Bukada est l'un des joueurs dont on parle peu, voire pas trop, en LFL, et qui pourrait, avec un très bon laner qui donne de la priorité, etc., monter dans la discussion des très bons junglers de notre ligue. Voir avec Prime également, qui avait tendance, on s'en rappelle, lorsqu'il jouait contre nous, le support des Géo en EU Master, il avait tendance à beaucoup bouger sur la mid lane. Peut-être qu'on va reprendre les bonnes habitudes. Passons maintenant du côté du bouclier, et avant de parler de la mid lane, parce qu'il y a encore un nouveau mid laner, hein, figurez-vous, en LFL. Cette fois-ci, c'est un duo, nous venant de Corée du Sud, qui va rejoindre le bouclier. Je veux bien sûr parler de Citrus, pour commencer bien sûr, et Nayeon juste après. Alors, Citrus, bien sûr, donc Challengers de Corée du Sud, Arabian League, IMEA Master, on l'a vu. Alors, moi, j'ai été très impressionné par ces différents win rates, quand même. Je trouve relativement stable et un petit peu en smurfing dans l'Arabian League. Citrus, qu'on n'a pas énormément vu sur notre broadcast, c'est une réalité. Mais de ce qu'on a pu en apercevoir, bien entendu, ça nous semble assez prometteur. Il a le drapeau déjà. Ah, ouais, certain. Donc il a le passe. Ils sont en duo. Ils sont en duo, tout à fait. On passe directement à Nayeon. Alors lui, par contre, vous le connaissez normalement si vous suivez le broadcast français depuis de nombreuses années. Il avait bien sûr, enfin, il est toujours titulaire d'un malheureux record. On est d'accord là-dessus. Oui, la dernière ligne. Le 7.1%, il est rude. 7 points, on dirait un patch, mais pour le coup, c'est voilà, il était chez Origène. Bon, il n'était pas chez la bonne version d'Origène. Très clairement, c'était pas l'Origène demi-finaliste des c'était Worlds. Les l'Origène. C'était les l'Origène. On est bien accordé là-dessus. Oui, c'est ce malheureux record, c'est record de chaîne de défaites compétitives le plus haut, hein, 31. Mais bon, c'était il y a longtemps. Il a fait une année de pause service militaire et donc de retour. Alors pourquoi on parle de Nayeon et de Citrus? C'est simplement parce qu'ils ont été coéquipiers au sein de l'équipe Griffin. Alors encore une fois, tout comme le Origène qu'on vous mentionne, c'est pas le Origène demi-finaliste. Là, on ne parle pas du Griffin qui lui aussi était vu comme une des équipes montantes, puisque là, c'était un Griffin post-relégation en seconde division de LCK, où donc il avait la mid lane et il partageait bien sûr le mid jungle, ouais, avec Citrus. 48% LCK, c'est pas infect, hein. Eh. En termes de win rate, en 50 donc... games, franchement, oui, c'est bien. Hein. C'est un joueur qui a joué avec Viper et tout. Enfin, voilà, il a quand même de lourds coéquipiers dans son historique, Nayeon. Alors, je pense que pour de l'ERL, ce mid jungle, il va faire mal. Sauf que Citrus en solo queue, il fait mal à l'Europe en ce moment. Mm-hmm. Je pense que je les vois pas être mauvais. Je vois pas pourquoi ils seraient mauvais, ces mecs. Et paraît-il que Citrus est un bout en train. Ouais, figurez-vous, c'est les infos que j'ai eues. C'est un bout en train et il a envie de communiquer avec tout le monde. Il a monté le train en solo queue. Solokyo, c'est un peu flame. Ah. Mais gentiment. Il prend les bonnes habitudes. Non, mais c'est gentil à toi de l'accueillir. C'était une game compliquée et tout machin, mais on s'est flame vite fait. Pas méchamment, tu vois. Et on a gagné la game à la fin, donc c'est tranquille. Et après, bah, lui, je crois qu'il est quasiment ranquin et tout. Ouais. Et puis, il a l'air d'avoir un super bon anglais. Ce qui est vraiment cool du côté de Citrus, de ce que j'ai compris. Je pense qu'on va faire une belle rencontre sur le broadcast, en tout cas de ce qu'on m'en a dit. Ah, je suis très impatient. Mon cher Koyuk, je suis perdu. Ah oui, bien sûr, c'est pas terminé. Passons à notre cher Haricot, mesdames et messieurs Bean, puisque voilà, malheureusement, Ido, qui a de lourds soucis de santé, qui au dernier moment n'a pas pu renfiler les crampons pour disputer ce Summer Split. On souhaite bien sûr un bon rétablissement à Ido et tout le meilleur pour le futur, et on vous invite à faire de même. Son remplaçant donc, Bean, qu'on a souvent vu avec le maillot Fnatic V2,
Alors Fnatic Rising, Kesso, bon, Kesso et tout ça. Fnatic V2, voilà, je préfère le dire comme ça. Et qu'on a vu il n'y a pas très très longtemps aux Worlds dans une année, bon, certes, bizarre. Semée d'embûches, clairement, pour les oranges et noirs. Mais Bean qui, lui aussi, en ERL, très clairement, devrait faire sensation. Ouais, il écume un petit peu les ERL. Bah, d'ailleurs, la LFL, l'une des rares qu'il n'a pas fait, puisqu'il a fait la Superliga, la Premier League, du coup, la NLC, etc. Donc, moi, c'est un joueur en plus qui a des bons winrates et tout. Franchement, pour un remplacement de dernière minute, Aegis s'en est bien tiré. Et lui aussi va commencer à rentrer dans le débat des gros ADC de LFL. Et on en a beaucoup, même si je ne le vois pas être dans le top 3 direct comme ça. C'est un mec à son niveau max qui peut être très intéressant à suivre. Ouais, vous l'avez compris, c'est vraiment Aegis qui fait le plus gros montant de changement, hein, tout de même, entre ce Spring et ce Summer. Pardon, tu m'as dit quoi ? Oui, bien sûr, excuse-moi. On termine avec un nouveau joueur turc qui nous rejoint en LFL. On s'est accordé dans l'émission Mercato pour l'appeler Rylash, parce qu'on trouvait ça stylé. On s'adaptera bien sûr au niveau de la prononciation. Donc Rylash, mesdames et messieurs, on n'a pas la photo. Hein, malheureusement, ça, on déplore un petit peu cette situation. Joueur donc turc avec pas mal de ligues à son actif, avec des petits proving grounds. Très bon winrate lui aussi. Très bon winrate, car de rien. Et on l'a vu au niveau de l'équipe Desire dans ses IMIA Masters. Une équipe malheureuse dans la phase de groupe, bien entendu, mais malgré tout présente. Écoute, on va voir ce que ça va donner. C'est vrai qu'il disait, il n'a pas tort, je pense. Il a un profil qui est un petit peu plus stable que 113 potentiellement. Et c'est vrai que chez Becker, il y avait beaucoup de profils carry. Ouais. Donc pourquoi pas un jungler qui se met un petit peu au service de ses laners. On va voir si ça fonctionne ou pas. Et en solo queue ? Alors moi, je ne l'ai pas trop rencontré. Oui. Mais il y a certains ADC francophones qui ne l'aiment pas trop, quoi. Très bien. À ce qui paraît. Bon, on verra. Écoute, okay. Je ne dirai pas de nom. On termine 13e changement, mesdames et messieurs. Donc, encore un nouveau venu ici. Et il s'agit d'un nouveau venu polonais, Marlon, mesdames et messieurs, au poste de support, un homologue de Tréton qui rejoint l'effectif et portera donc le maillot de la Team du Sud et accompagnera, si vous avez suivi, Inax chez la TDS. Que dire de Marlon ? Tu dois certainement le connaître. Ah oui, un bon joueur. Après, un bon joueur, il faut voir s'il pourra vraiment s'imposer. Parce que c'est difficile. La LFL, en termes de support, je trouve que c'est très, très difficile de faire un ranking. Parce que tu as vraiment Parus qui est tellement au-dessus du reste que c'est difficile d'aller le chercher. Mais je pense qu'il ne sera pas mauvais. Ça ne va pas être une fraude du tout en LFL. Et je pense que certains l'avaient vu. Bon, du coup, ce n'était pas forcément pour le mieux pour lui, mais il avait joué avec Heretics, le chômage de la cassée à. Tout à fait. À l'accord. Enfin, c'est quoi là, le nom de l'aréna ? C'est la Défense Arena ? La Défense Arena ? J'imagine. Ouais. Enfin, un KCX. Donc KCX, oui, c'est la Défense. Bon, il s'était fait exterminer par Targamas en l'occurrence, ouais. Mais c'est Targamas. Je pense pas qu'il se fera exterminer comme ça dans les games en LFL. Et un spécialiste de Brand. Ah bon ? Marlon Brand. Tu sais que j'ai vraiment cherché en mode est-ce qu'il joue Brand Support ? Il y a Things dans l'équipe, est-ce qu'ils vont flex Brand et tout ? En fait, le fait que t'es attendu pour faire cette vanne... Marlon. Je vais absolument la placer, elle m'est venue là. Je vais absolument la placer. C'est très faible. Hein. C'est pas la blague qu'on entend tous les jours. J'apprécie la référence, mais bordel. Hein. Putain, je sais plus. Ouais, les nationalités. Allez, les drapeaux. Non, mais je suis foudroyé, vraiment. Les drapeaux, mesdames et messieurs, ça donne quoi ? On vous en a parlé dans l'émission Mercato. 16 joueurs français, 7 joueurs turcs, 6 joueurs allemands et... nous provenant de Corée du Sud. Ça, c'est le chiffre qui... Oh là là ! Oh, il se passe des choses, hein. Il s'en passe, bien sûr. La Pologne, le Danemark et beaucoup, beaucoup d'autres nations représentées. On est polyglotte en LFL avec toujours domination tricolore. Bien entendu, on est à la maison. On termine avec... tu voulais rajouter quelque chose, pardon ? Non, c'est juste que c'est un peu comme à l'époque où la Pologne était vraiment très, très forte. Bah, là, c'est la TCL qui n'est pas mauvaise. Ouais, ouais. On leur a chippé pas mal de joueurs comme on avait chippé pas mal de Polonais à l'époque. Ouais. Et en tant que ligue prestige, on prend les meilleures données. On est d'accord là-dessus. Pendant l'émission Mercato, on avait fait la tier list. Alors, bon, observez par vous-même. Hein, on nous a accusé de ne pas trop nous mouiller... C'est trop dur. Je trouve les gens malhonnêtes, hein, sincèrement. Mais moi, je trouve qu'on s'est pas mal engagés. C'est une tier list honnête, en fait. C'est littéralement ça, la tier list. Pour le coup, c'est honnête. Oui, parce que le truc, c'est s'engager. Mais s'engager sur quoi, en fait ? Parce que... Ah, sur des top différenciés, top team, et jouer les playoffs, quoi. Mais on n'en sait rien. En fait, les gens sont dégoûtés parce qu'ils n'ont pas pu mettre trop de signets sur notre ranking. Et c'était vous. Après, ça a créé un nouveau mème. Oui. Et la carrière de Laura de la Loose a décollé. Oui, c'est vrai.
Oui, il y a des fans et il y en a qui sont pas trop fans. Bon, bah, on va passer le sujet. Planning du jour, mesdames et messieurs. Mine de rien, on a mis pas mal de temps, mais on voulait quand même prendre quelques secondes pour présenter tous les nouveaux joueurs, tous les nouveaux pseudos que vous allez voir ce soir. Par respect, bien sûr, pour leur souhaiter la bienvenue. Remake de la finale du Spring BDS Academy, Carmine Corbleau dans quelques instants, suivi par TDS Aegis, Gentleman Game Ward, Solari Vitality B. Et on termine la soirée en beauté avec Bekarog contre la team Géo. Ça va être absolument fabuleux. Messieurs, c'est bientôt l'heure du lancement. Mon cher Koyuk, est-ce que j'ai encore une petite minute? J'ai encore 2 minutes, super. Eh bien, on a les pronostics pour cette première journée KCBDS. Exakik, qui est notre invité, bien entendu. C'est pas mal split entre TDS et Aegis. Full Gentlemate, Full House. Solari Vita avec Solari Dominant. Et enfin, on termine avec Bekarog Geo, bien split. Full Gentlemate, ça c'est généralement le genre de moment où les Game Wards surgissent. Oui, très probable, mais intéressant. C'est cool parce qu'il y a pas mal de pronos différents, donc ça montre bien. Que déjà, personne n'en sait rien. Donc Oui, mais aussi c'est parce que les affrontements cette première journée sont aussi très close en termes de ranking potentiel. Donc on a une très très belle journée de LFL. Début de saison en fanfare, mesdames et messieurs. Et avant de lancer la soirée, de vous remettre les petites vidéos et de vous laisser entre les mains de Noah et de Marex pour ce KC Blue contre BDS Academy, un petit mot bien sûr pour nos partenaires. On remercie le CIC partenaire fondateur de la LFL. Ils sont là depuis le tout début, ils sont toujours avec nous. KitKat qui est encore avec nous bien sûr, qui continue de nous faire confiance et nous rappelle qu'il faut bien sûr faire des pauses en tant que pro gamers. Le fournisseur officiel MG Equipment et Orange qui reste à nos côtés surtout et nous accompagne au niveau des événements physiques pour que tout se passe sans accroc, c'est un succès. Et deux nouveaux partenaires qui rejoignent la LFL en tant que fournisseur officiel. Bienvenue à Continental et bienvenue également à Citeo. Merci de nous faire confiance. On espère que vous allez apprécier votre segment d'été à nos côtés. Mesdames et messieurs, il est maintenant l'heure de lancer officiellement la première game de ce Summer Split de LFL. L'affiche, c'est la finale du printemps. C'est KC Blue contre BDS Academy, commenté par Noah et Marex. Amusez-vous bien, la LFL reprend. Wanna be down, wanna dash, wanna go fast, wanna be brave, wanna move like an assassin. Just Spring Split was not acceptable. Now it's time to get serious. The only question left is where to start. I still think I'm the best. People can laugh, people can adapt, but I know my level. Summer is coming. You can see it is right there, it's getting closer. Your energy means enemies are getting colder. On ne sait pas chercher pendant le spring, mais cet été on va montrer notre vrai potentiel. Strike me like cobras, take a minute to power up, then it's over. Wanna be down, wanna dash, wanna go fast. You have been hyped by my split? Wait until you see this one. Power is everything, the voices out your head said that you can do anything. As always, we would expect to win the title, finally give BDS what they deserve. And for the final, next time it will be different. You can see it, it's right there, it's getting closer. Your energy means enemies are getting colder. It's the night to power up. Let it snow. Wanna be down, wanna dash. On sait jamais de gagner, donc ça faut que tu la termines pour savoir.
soir et bienvenue dans la reprise de la LFL Summer Split, une saison de plus qui recommence. Et pour ouvrir le bal, le rematch de la finale du Spring BDS contre la Carmine Corp Blue en compagnie de Marex. Comment tu te sens pour ce match de réouverture? Bah écoute, ça va très bien, très belle affiche. Moi ce qui me hype beaucoup c'est voilà, la découverte un petit peu des nouvelles équipes avec les nouveaux changements, les imports coréens, tout ça. On sait pas trop ce que ça va donner, ça peut très bien marcher comme pas du tout, mais bon, ça remélange un peu les cartes au niveau bah, notamment des rankings et tout ça. Et c'est pas mal parce qu'en intersaison, on n'a pas forcément toujours énormément de changements, mais là, on en a. Et aussi, on revient sur des horaires de casse plus habituels, pas de type réveil 7-8 heures, etc. Donc, ah ouais, j'étais pas mal dans ce rythme-là. Ouais, c'est du coup, un peu plus ton élément, toi. Faut que je me re-switch et tout, mais bon, on verra. En tout cas, très heureux de reprendre la LFL. On va voir, effectivement, tu en parlais, hein, de ces nouveaux arrivants. Faut voir ce que ça va changer, parce qu'il y a des équipes où peut-être que la mayonnaise peut prendre assez vite, où les nouveaux arrivants s'intègrent très très vite, très très bien, et la saison redémarre de plus belle. Peut y en avoir aussi, il va falloir un petit temps d'adaptation par rapport à des rosters qui sont restés intouchés. Ouais. Donc faut voir un peu comment les équipes rentrent dans cette compétition. On est avant le nouveau patch, tout le monde n'a pas commencé à se réentraîner au même moment, donc il y a énormément d'incertitudes, comme pouvaient les indiquer les premiers pronos. Voilà, ce sera les pronos probablement les plus partagés de l'année, et puis ouais, après ça va se lisser. C'est vrai, surtout que ouais, t'en parlais là, les équipes vont devoir jouer sur l'ancien patch, on va dire, sachant qu'elles sont déjà commencées à habituer sur en solo queue et tout au nouveau. Après, c'est à partir de la semaine prochaine, ouais, si je dis pas de bêtises, ça ira mieux. Et là, à nouveau, bah, on aura une nouvelle fournée d'incertitudes, comme tu disais. Oh oui. Étant donné qu'il y a pas mal de nouveautés, que ce soit au niveau des items ou des buffs et nerfs qu'il y a eu, ça va pas mal bouger. Et tant mieux. Tant mieux, la méta devrait un petit peu varier vis-à-vis du MSI. Même beaucoup, au vu des nouveaux items. Mais bon, ce sera le très grand sujet de la semaine prochaine. Ah ouais, bah j'ai vu Twix hein, qui cook un peu plein de choses sur le nouveau patch. Je dois avouer qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et ça y est, on est rentré dans la toute première phase de draft du Summer Split. On retrouve la bouille de nos joueurs pour ces deux équipes qu'on n'avait pas revues depuis les IMIA. Tout à fait. Ah, des équipes en détente, toujours les petits locaux cassés là. Kalis qui a l'air en forme. Qui s'est d'ailleurs fait retirer son Draven pour cette première game. C'est bien de replonger dedans là, on sent qu'on est dans la LFL, ça y est, la première draft a enfin commencé. Et le bad Skarner. Ouais. Et ce fameux Skarner, hein, ils en ont beaucoup parlé durant le pré-show. Hein. Très puissant, kit relativement ridicule, dernier champion sorti et surtout flexible en compétitif. Le pic a trop pour lui, tout simplement. Les bans ne sont pas étonnants. Alors, il reste encore en face pas mal de choses. Hein. Il reste le Varus Nautilus, qu'on a pu voir dans beaucoup de Kalista, hein, dans la méta du MSI, et d'ailleurs, ce sera instantanément pris du côté de la Carmine Blue. Hâte de voir comment Centrez à Bedagueux vont s'intégrer dans ce collectif. Mm-hmm. C'est pas le match le plus facile, hein. C'est la tradition de que la première game soit le rematch de la finale. Oui. En face, Skumon Ricker, c'est deux gros clients. Ah, des trades classiques pour l'instant au niveau de la bot lane avec les picks ADC, la hache qui n'est pas disponible. Ça réfléchit beaucoup. Et KCB, ça va peut-être pas piquer un support ici, hein. Peut-être un jungle. Après, la draft est un petit peu buggée, on voit pas le pick de 113. Qui a normalement dû être lock. Ouais, on voit pas 113 et j'ai l'impression qu'on voit pas Skumon parce qu'on est déjà sur Ricker. Ouais, je sais pas si la régie a l'info. Ah, c'est en train de refresh pour nous envoyer la draft complète. Ça arrive, première game. Faut se remettre dedans. Normalement, on envoie Chips. Ouais. La première game. C'est vrai. Après, on va pas se plaindre, c'est une très bonne game. Oh oui. Et on accepte. Voilà, c'est les réglages de début de saison. Et là voici du coup, et pas de pick support, sera bien, bel et bien un Viego. 113 qui est l'un des joueurs qui force entre guillemets le plus le pick Viego. Et là il a pick extrêmement tôt ici et du coup réponse agressive avec un volley en early game qui devrait énormément bouger ce choix de Viego. On est déjà sur de la Kalista, du volley. Ça va pas être un early game facile pour la casser et ça récupère des strong picks de chaque côté, Way puis Talia, mais priorité tout de même sur Way pour les BDS, ça peut se comprendre. Scaling de Way superbement intéressant quand t'as déjà l'assurance d'un early 4 avec et dominant avec Kalista et Evoli.
on a un bon équilibre pour la draft BDS. Ouais, et pour l'instant, Carmine qui fait du Carmine, hein. Le Viego de 113, je pense peut-être son pic le plus emblématique. Oui. Alors, on commence à se prémunir de certains pics au top. Est-ce qu'on voudrait se réserver le counter pick du support pour fléchi et blind d'un cassanté avec ce ban TF? Là, il va falloir du setup dans tous les cas pour. Même s'il y a de l'utilitaire dans les pics cassés, c'est quand même des carry. Enfin, quand tu as un Viego en jungle, pour faire simple, il te faut du bon setup en général que tu vas chercher au rôle de support. On verra comment il le trouve ici. Il y a aussi les débats du matchup bot qui rentrent en compte. Avec chacune des équipes qui a ses idées en tête, hein. On a quelques bans au rôle de support ici. Alors. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui pourrait bien accompagner un Varus, sachant qu'il y a un ban de Blitz? Est-ce que ça voudrait jouer un range un peu plus défensif, un peu plus enchanteur? C'est un peu moins ce qu'il se voit avec un Varus. Le Horn qui est banni. Horn qui peut être joué au rôle de support maintenant, qui peut aussi être flex. On l'avait beaucoup vu dans les derniers BO du MSI. Ouais, le blend du Cassanté et counter pick pour fléchi. Le ban du TF pour moi allait dans ce sens-là. Il est super ce Cassanté, hein. Bon blind, bon champion et bonne frontline pour venir compléter les picks cassés. Après c'est Jhenax en face. Jhenax c'est pas le dernier des joueurs à pouvoir sortir des carry. Bah honnêtement Jhenax c'est sur le papier l'un des meilleurs joueurs de la LFL. Hein, ouais, littéralement. Voir Jhenax avec une veine dans les mains, est-ce que ça me surprendrait à moitié? Et un Aatrox. Ouais, bah ça il est très connu son Aatrox. Un carry c'est pas si facile, hein. Ouais, maintenant Aatrox est clairement qualifié de carry, je pense, vu ce qui peut être joué sur la top lane. Et après ils vont être obligés de blind un support avec la Kalista. Il y a Renata qui peut être ok dans un Viego notamment. C'est vrai que la Renata est pas mal et le Pyke pour Parus. Ça ne rigole pas. Ah, Parus qui se sent en confiance, il se sait puissant dans cette LFL et là ça va vraiment jouer jusqu'au bout pour l'early game. Voli, Kalista, Pyke, vraiment de quoi faire beaucoup de play. Reste quoi? Rel, Rakan, Leona, si tu veux vraiment tenir la bot lane, sinon tu pars sur l'enchanteur, mais l'enchanteur contre Pyke, tu vas te faire démembrer. Ouais, ce sera une Rel au contact, pas mal du tout ici. Ça reste une compo qui a pas non plus énormément de range pour les BDS. On a quand même Aatrox, Voli, Kalista. Mais Rel, c'est vraiment fort contre Kalista parce que tu peux la couper quand elle veut, voilà, se balader, voler à droite à gauche, prendre son temps. Elle est toujours relativement proche et tu peux l'arrêter net avec Rel. Ouais, j'aime bien les deux drafts. La Rel aussi était un élément qui était nécessaire pour ce Viego. Et là, de chaque côté, il y a eu une assez bonne prépa, d'assez bonne draft et on comprend qu'on est encore finalement sur l'ancien patch. Ça me change un peu des compos scaling du MSI. Hein. C'est un petit changement d'ambiance. Il n'y a pas de Corki, il n'y a pas d'Aurélion, il n'y a pas de Azir, il n'y a pas de Senatam Kench. C'est vrai. On est là pour se taper dessus. Il y a tout qui agresse, il y a tout qui engage, il y a tout qui peut être joué en early game. Ça bouge, ça décale. Non, ça va être intéressant. Il va falloir skill check directement dès la phase de lane parce que je pense que c'est une game qui est très snowbally d'un côté comme de l'autre. Ouais. Parler du MSI, j'aime bien tout de même les petits reflets du MSI, notamment dans les bans, avec ce ban Horn, ce ban Camille, Ash aussi évidemment. En tout cas, c'est bien parce que c'est pas plus mal. Faut voir le positif dans le fait qu'on est la première semaine sur l'ancien patch, c'est que ça va être mieux pour lire le niveau de chacune des équipes finalement. Oui, 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 et puis ouais, on voit qu'il y a une petite pause sur l'écran des joueurs. Puis bon, alors je sais qu'il y a des gens pour le divertissement, et je peux comprendre, hein, qui auraient voulu que ça se fasse le nouveau patch, pour l'intégrité compétitive, pour que tout le monde ait bien le temps de s'y mettre. Et aussi, pour peu, c'est aussi une question de serveur tournoi. Oui. C'est-à-dire pour peu que les serveurs tournoi aient pas été implémentés assez tôt, soient assez stables et il y ait des bugs, il faut aussi pouvoir connaître les bugs qui vont arriver, parce que si c'est pour jouer des games où il se passe des dingueries, qu'on est obligé de chrono break, c'est très compliqué. Donc pour toutes ces raisons, c'est pour ça que généralement il y a quand même une à deux semaines de délai entre l'apparition d'un patch et sa mise en application compétitivement. Ouais, tout à fait. On aurait aimé que tout soit prêt, tout arrive en même temps, et bon, il aurait fallu
peut-être une période de pause, mais avec l'agenda compétitif, etc. Enfin, il y a d'autres paramètres qui rentrent en compte et qui font que... Déjà, ça a repris au juste... Au final, il faut faire au mieux, quoi. Ça a repris à la sortie du MSA. Il n'y a pas eu de semaine de break. Ouais. Ça enchaînait très très vite. De toute façon, on connaît le calendrier compétitif de League of Legends. Il est très costaud, d'autant qu'il y a un autre tournoi qui s'est rajouté du côté de l'Arabie Saoudite au milieu, qui vient probablement chambouler les plannings. Et du coup, pourquoi ne pas reparler de ces trois splits et demi de LEC par rapport à l'ancien le dérapage? Ah, pardon Koyuk en régie. Ah, et on nous dit qu'on va pouvoir rentrer dans la game, on est parti. Je ne suis pas fou, je crois que le bumper a été changé. Ouais, nouvelle. Nouveau son. Tout à fait, c'est sûr et certain. J'avais un doute. Allez, pas de particularité de niveau 1. J'ai l'impression, pas de swap lane en cours et ça me fait plaisir de jouer cette première game du split. On va se regarder dans le blanc des yeux, on va se taper dessus sur les lanes. Tout à fait, d'ailleurs, ça me fait penser à un truc. Il me semble qu'il y a eu une preview d'un patch. Ouais, prévu, je te laisse tranquillement éternuer. Alors je ne me suis pas évanoui, j'ai dû me mute pour éternuer, c'est bien ça. Une petite preview d'un changement sur PBE, je crois, avec un nerf entre guillemets du swap lane. Les protections de tourelle top et mid qui allaient passer de 50 à 75%. Du coup, ça devrait limiter un petit peu la donne pour la suite. En tout cas, là on est sur un début de game standard. Pas de folie, chacun sur ses lanes. Pas mal de ward placés sur le bot side. Par KCB. Ah, je pense que c'est la lane la plus volatile, la plus explosive d'un côté comme de l'autre. C'est là où les junglers devraient y porter leur attention. D'ailleurs, on a un double start topside hein, sans trop de surprise. Les deux junglers qui vont être là pour check. Et le truc, c'est que Rel contre Pike, t'as vite fait de te faire cancel tes dash. Ouais. Clairement. Les grades qui touchent un par un par Us ici, ça essaye de prendre un bon trade. Ah, le déluge de l'âme qui fait son taf contre l'Aftershock. Et le niveau 1 est remporté du côté de la duo lane BDS. Sans surprise vu la compo. On va devoir attendre en réception très tranquillement du côté de la Carmine. Pour Kalis, on a Hail of Blade hein, assez standard. Avec un heal tout de même. Summoner spell qu'on voyait putain que ça au rôle d'ADC. Mais ça c'était beaucoup de cleanse, beaucoup de ghost. Mais après le ghost va se faire nerf. Peut-être qu'il y a déjà des habitudes qui ont été prises. C'est vrai. C'est vrai que ça joue peut-être. C'est parfois il y a des petits trucs quand on chevauche deux patchs où il y a des gros changements. C'est avec quoi les joueurs se sont. Enfin, on se pas se sont entraînés parce que l'entraînement, la scrim, ça se fait sur l'ancien patch. Mm-hmm. Mais la solo queue se fait sur le nouveau. Donc, oui. Quelles sont les habitudes que tu prends? C'est pas toujours facile en tant que joueur de pouvoir jouer un petit peu sur deux tableaux comme ça. Surtout quand les patchs sont conséquents. La top lane, ça se trade, en tout cas ça fait plaisir de voir du Aatrox pour cette première partie. Et Parus, intervention mid lane, est-ce que ça réussit à forcer un flash ici sur Abedague qui tente de gauche droite? Il ne va pas flash finalement et devra ensuite un petit peu mis à mal sur sa lane. La wave est bien positionnée pour Ricker. Bon, bienvenue en LFL à Beu, hein. Ouais. Allez, ça c'est parti, petit gank au pike d'entrée de jeu, petit flash utilisé. Le Faker Treatment. Le fameux. Ça va devenir un mème. Dès qu'un mec se fait gang par plus d'un joueur. Il y a juste eu un passage support. En tout cas, bonne pression appliquée par Parus. Il a réussi à convertir un petit peu la pression qu'ils avaient récupérée au bot. Derrière, il revient, ça reçoit la wave. Et là, il va falloir exploiter ce manque de flash sur Talia, sachant que avec Voli, il y a moyen. Complètement. Voli, en n'importe quel 2v2 ou 3v3, sera bien supérieur à Viego. Devrait être le but. D'ailleurs, il a un plan d'embuscade. Il est vu par la patrouille 113. On va essayer de prendre la ward. C'est défendu du côté de 113. Il a le renfort d'Abedag juste derrière. Est-ce que Monde va partir la queue entre les jambes? On trade de la part de 113. Le fameux conquérant, hein, Viego, qui est sans doute le champion du jeu qui profite au mieux du conquérant. Il le stack en une demi-seconde. Et il le garde reset en reset.
Ah, il a ses deux épées longues, il est un petit peu menaçant, mais bon. En de vrai 2v2, 3v3, Voli l'emporte sans la moindre hésitation avec son press d'attaque, tout ça, c'est un peu la clé sur le perso, surtout quand il sera niveau 6. Bon trade ici trouvé par Genax. Ouais, Mentor qui tient, qui a encore sa TP, sa tour a pas commencé à se faire attaquer. Il est pas trop derrière au farm. Et un cas-santé sous tour, ça a toujours une menace, même à 3 points de vie. Ouais. À ne pas sous-estimer. Après, bon, là, on l'imagine mal faire grand-chose. Bien qu'il ait deux cookies dans sa poche. Pour l'instant, une game très calme. Bah, à la vue des compos, je m'attendais à un bain de sang. Peut-être que c'est la première game aussi. Première game du split, l'agression qui force le flash sur ce Q-Monde. Mais ouais, peut-être qu'on est un tout petit peu prudent. Il y a... Alors je vais pas dire que c'est des joueurs qui stressent sur un match de saison régulière, mais se dérouiller un petit peu, se remettre dans le bain de la compétition. Tout à fait. Un peu comme revenir au travail à la fin des vacances, quoi. C'est, faut se remettre dans l'ambiance. Clairement. Surtout que l'ambiance a changé, on est passé d'une finale de MSI avec un niveau rarement vu sur League of Legends à des games de LFL qui ont aussi un très très haut niveau, qui a un niveau encore au-dessus. C'est pas une finale de MSI, mais voilà, c'est vraiment un niveau au-dessus, du coup la différence est... Le MSI à côté, c'est des clowns. Ah oui. Voilà. Honnêtement, Léon nous aurait fait quoi sur cette bot lane dans la game? Rien, il aurait rien fait. Je pense... Il aurait ping son jungler. Pro Canyon. Qui serait pas venu parce qu'il aurait eu peur de gank. Ouais, bah, je pense comme ça. Il sort pas de sa jungle. Non, Canyon, il passe pas la rivière. Et il essaye même pas les carapateurs. Alors, qu'est-ce Q-Monde a essayé? Il a plus de flash. Q-Monde, il a pas son niveau 6. Il va essayer de temporiser avec une très bonne foudre. L'ulti de Ricker est excellent. Parce qu'il va continuer avec son Pyke. Mais il est peut-être allé un petit peu loin. Le flash out de Fléchy, pas du tout. Les renforts étaient là pour Parus. Abadogun va tenter le dernier caillou. Et finalement, BDS prendra cette escarmouche. Très bon fight. Ça abuse de la faiblesse du Viego en early game. Là, les BDS vont pouvoir accélérer. Hein. Ils ont vraiment beaucoup d'outils au niveau 6. Ulti Kalista, Ulti Pyke et Ulti Voli. Pour forcer, c'est excellent. Et Wei qui récupère le First Blood. On a vu que. Et Wei un petit peu accéléré en early game pouvait avoir très vite beaucoup d'impact. Et j'imagine bien Ricker bien maîtriser le pick. Est-ce que Q-Monde. Impeccable, hein. La temporisation qu'il a faite. Hein. Le pick Pyke bien exploité. Et tu l'as dit, Q-Monde aussi. Non, c'est clean pour l'instant, côté des BDS. Alors, il n'y a que la botlane qui prend peut-être son petit retard au niveau du farm. Pourtant, j'ai eu l'impression que Kedui et Parus ne se sentiraient pas si mal. Peut-être que les quelques roams de Parus ont affaibli un peu Kedui, qui a dû jouer en 2 contre 1. J'ai pas bien vu. Rien de gravissime. Mais c'est la seule lane où ça se passe à peu près bien pour la Carmine. Ouais. C'est la menace du Varus aussi, Isle of Blade avec Rael. Ouais, tu l'as dit, là, ce sera quand même 15 CS, une petite quinzaine de CS de retard, plutôt 10. Ouais, ça farme un cull sur Kedui. Et les Grubs qui vont également être récupérés par les BDS, ça va vite. J'avais pas vu le Voli caché au milieu des Grubs, je me suis dit, ah oui, si le Aatrox peut se permettre en plus d'aller sécher 3 Grubs entre 2 vagues de sbires. Mais non, ce n'était pas le cas. Genax, bah, il fait sa game, hein. Il est dispo s'il faut décaler, stack un cull lui aussi. Ah, c'est souvent en fait, le truc c'est Aatrox en face de lane, contre Cassanté, je m'en fais pas trop pour lui. À moins qu'il se fasse permagank. C'est juste qu'en teamfight, il y a le champion le plus crackbroken du jeu qui peut absolument tout faire, savoir Cassanté. Et en face, il y a Aatrox, flank parfait, sweet spot, doit dodge tous les skill shots, doit pas se faire stun, doit pas se faire burst. Donc c'est à voir, est-ce que Genax soit arrive à mettre assez de pression en side, soit arrive à être excellent en teamfight. Ça fait un bout de temps qu'on n'avait pas vu cette réponse Aatrox dans Cassanté. Un peu quelque chose qui avait disparu des radars. C'est vrai. Et tant mieux, hein. Moi j'aime bien voir les Aatrox dans les games, c'est toujours... C'est cool, c'est beau jeu. Impressionnant dans les fights parfois. Ça fait des folies. Là du coup mid lane, Ricker qui semble avoir un excellent contrôle. Il a ses bottes de lucidité, il a son livre, il peut spammer les spells, le grab. Il va pas toucher ici. Attention, ce qu'on monte quand même fort avancé. Pas de niveau 6 pour l'instant sur Parus. Il n'y a pas cet avantage là. Le Grab qui va revenir, par contre, qui va peut-être déclencher quelque chose sur 113 directement avec le stun qui passe. Et derrière Kedui qui peut finir le boulot. Le kill est récupéré sur 113. Ouais. 0-2-0. Début de partie difficile pour le jungler turc.
Ah, c'était clean, et puis on avait Ricker en backup hein, qui était prêt à continuer l'action. Il a même eu le temps de prendre l'assist avec un petit éclair. Alors, le duel, Cassanté qui active, et le Aatrox utilisera le World's Ender pour fuir. Même Aatrox ne peut rien contre le grand Cassanté. Et oui. Bon, Aatrox Skull. Ouais. Mais il peut rien. Le Cassanté Gaming, hein, qui a beau être un petit peu dans le mal en début de partie, qui derrière fait toujours de grandes choses. Cette ward hein, qui n'a pas été repérée par les BDS. Oh, attention ici, le grab est tout de même bon sur Kalis. Le stun qui ne va pas connecter. Fléchy qui tente un petit sidestep. Il tente de turn également. Mais Ricker est là, premier à la décale. Ça va être très difficile. Il y a même l'ultimate de Pyke qui permettra de récupérer beaucoup de gold. Ah, je suis pas convaincu. La TP non plus, elle est pas convaincante de la Bedagueux. On est venu disputer la vision, on est venu disputer même ce trade hein, contre Parus. Il y avait déjà Ricker qui avait décalé, on est un peu derrière, c'est un volley en face qui est ultra violent. Le Pyke il est safe, hein. il a son ulti, il a l'ulti Kalista. Et on se fait peut-être un peu bait là-dessus pour la Carmine et ça commence à faire beaucoup. Hein. 2k et gold. Et petit hashtag analyse, mais j'ai l'impression que sur cette phase de jeu, on sent que il n'y a pas eu de changement chez les BDS et qu'il y en a eu en face, tu vois. Ouais. Genre au niveau de la com là, cette TP et tout à la fin. Ouais, je suis d'accord. C'est un petit peu brouillon. Et Parus totalement en compte. Enfin Parus est en détente dans la game. Là, il fait un taf incroyable. C'est hein, qu'il a son ulti Kalista, donc là il peut vraiment se balader avec son Pyke. Ouais mais ça sent au niveau du mid jungle et c'est un peu la colonne vertébrale d'une équipe. On sent que côté BDS, ouais. on s'entend mieux, on a des automatismes, qu'il va probablement falloir encore un peu roder côté de la KC. Après ça veut pas dire qu'en teamfight ils vont pas faire des merveilles. Mais attention, parce que la compo BDS est une compo qui accélère. Il se regroupe sur la mid lane. Prochain Grubbs dans 30, hein. les Grubbs qui sont forts honnêtement sur ce patch. Sur les patchs précédents aussi. Puis avec un Aatrox en side lane, qui va probablement finir par bouffer le Cassanté, franchement. Les Void Grubs sont très intéressants pour BDS. Donc là, les timings pourraient permettre au BDS de récupérer et les Grubs et le prochain Drake. Attention à pas laisser ce dragon à casser, parce que ça peut être un bon point d'appui. Ils ont récupéré le premier assez tôt. C'est peut-être même leur plan. Forcer un fight autour du dragon, récupérer un reset sur le Diego. S'offrir du temps, hein, tout simplement, BDS, ils sont pas prêts de les menacer de l'âme. C'est pourquoi j'aimerais bien voir là les BDS commencer à mener encore plus d'agression. Effectivement, jouer ses Void Grubs, utiliser le Pyke pour mettre beaucoup de pression sur la mid lane, pour bouger un petit peu avec Ricker. Et j'ai l'impression qu'on se redirige tout simplement vers le bot side du côté Scumonde. Le 3v3 est toujours à l'avantage de BDS. Ricker, encore une fois, un petit peu d'avance au décalage, mais c'est suivi très très bien par Abedagueux. Mm-hmm. Le problème pour la casser, c'est qu'il faut quand même une bonne coordination dans leur compo. Il faut vraiment une engage bien nette avec Rell, tout le monde qui follow, ça prend un reset, c'est tout ou rien en fait. Et le tout ou rien va peut-être avoir lieu maintenant avec l'ultimate, c'est très bien joué. Fléchy qui ramène tout le monde dans la mêlée, et la voici, cette coordination nécessaire. Interruption récupérée sur l'Atalia. Un peu d'espoir. Ah, il fait dans beaucoup cette de bien. Early game. Il fait beaucoup de bien et j'aime bien le fait que Kedu ait été mais traîné dans la boue à travers le mur, ouais, de la tisseuse. Plus de flash, plus de cleanse. Ça permet de ralentir un petit peu BDS, ça permet de récupérer un peu de gold. Voilà, on voulait le voir bouger un peu à Bedagueux. Au-delà des golds. Premier bon move de la saison finalement qui te met un petit peu en confiance, set up quelque chose en équipe. C'est vraiment ce qu'ils vont devoir réitérer plus tard dans le match. Ulti pour ulti, encore une fois, ça devrait s'annuler ici. J'imagine mal Mainter aller chercher le kill, quoique c'est Cassanté Gaming. Cassanté est ridicule, il ne faut jamais l'oublier. Va-t-il prendre le kill? Non. Il restera une dizaine d'HP à Jhenax. C'est dingue. Tellement close. Mais c'est censé être un counter pick à Troc qui se fait marcher dessus. Il va tenter de temporiser. Fléchy qui est venu mettre son Ignite. Les sweet spots, ça ne suffira pas. Fléchy ramasse le kill, donne l'assist à Mainter. Il y avait un petit shutdown de 100 gold en plus. Cette wave qui va passer à la trappe. C'est une superbe intervention de Fléchy. Hein. Certes, ils vont perdre pas mal au bot, mais bon, ils étaient un petit peu derrière dans la partie. Ils arrivent à prendre le kill. Ils vont quand même pouvoir trade avec les Grubs et ne pas laisser les 4 Grubs plus au BDS. Très bon move, honnêtement. Très belle intervention, ouais, de Fléchy. Et Herald, hein,
C'est le Hérald. C'est le Hérald qui avait eu le temps de pop. C'est vrai qu'on est à, on est à 14. Ouais, bah, il avait fait le déplacement pour aller contester l'Hérald avec son équipe. Il a vu l'ouverture sur le top side. Il a bien fait. Ah, vu que c'est le Hérald, il est très long à faire et les BDS ont le temps d'intervenir. Ça va, il faut le défendre ici. Il faut pas le laisser au BDS, surtout que la tour est le mid. Et déjà bien, le HP, ça essaie d'attraper ce Volibear, mais il est très tanky là sans doute. Son ultimate encore dans la poche. Kalis qui envoie un maximum de dégâts. L'ultimate, la flèche pour venir le faire tomber. Très bon play de la casser. Kalis qui n'a rien laissé au hasard. Ah, est-ce que le monde est à terre? Du monde trop optimiste d'aller essayer de défendre ce Hérald en solo, et par contre, ouais, non, j'ai eu peur. Énorme erreur, hein. Il a flash et son ulti. Surtout que le héros de la faille, regardez la tour Elmid, elle était vraiment un coup de tête du héros de tomber pour les BDS. Cette phase de jeu, débutée par Fléchi, a complètement rattrapé, j'ai envie de dire, l'early game complètement. Que les BDS avaient dominé. Ah, ça coûte très cher. En plus. Mais vraiment, hein, parce que là il a un petit tic de régène HP avec le Doran, la potion et tout, mais il tombe vraiment à une dizaine d'HP de Genax, regardez, c'est... Ah pardon. Mais ils doivent reconnaître, pendant qu'on enchaîne directement, la tempête magnétique de Fléchi, Ricker qui est en plein milieu de nulle part, qui va tomber, Parus qui va essayer de partir, il se retourne pour un grab, est-ce que c'était la meilleure chose à faire? Il joue avec les allumettes, Parus! Encore une fois, on a... Il y avait le replay en même temps, mais Fléchi qui a l'air d'avoir trouvé une très belle intervention ici. Et à Bedagu, on sent... Sur les dernières phases de jeu, je trouve qu'il est très à l'aise mécaniquement. Les murs arrivent au bon moment, il y a tout qui touche. Ça y est, il est déjà rentré dedans, j'ai l'impression. Ouais, et sinon, pour en revenir un peu à la situation précédente, bah, ils ont été gourmands, c'est-à-dire qu'ils venaient de perdre Genax au top. Ils étaient en train de prendre la tour au bot et de faire le dragon. Et après ça, Scumonde, alors qu'il avait vu tous les joueurs cassés, il a couru de l'autre côté de la carte pour faire le héros de la faille. À un moment, faut calmer le jeu, faut être plus réaliste. C'est vrai. On a maintenant Cassanté qui est full stuff, hein, et qui du coup domine sur la top lane. Là il doit bien avoir déjà 150 d'armure avec ce stuff. Et la Talia qui mine de rien est très bien dans sa game maintenant. Parus qui presse, mais on sent qu'un Pyke s'affaiblit au fur et à mesure que la partie avance. C'est de plus en plus dur à faire fonctionner. Alors que Fléchi, lui, on l'a vu ici bien en forme, dès qu'il aura son flash et tout, à lui seul il peut faire des plays extrêmement positifs et clutch pour son équipe. Et surtout pour son Viego, qui a besoin de tout ce setup. Et surtout je trouve que le counter pick de ce Aatrox est un véritable échec. Pour l'instant c'est pas dingue. Alors il est pas derrière, hein, mais surtout en utilité, en teamfight, en création d'espace pour son équipe, Mainter a une valeur qui est tellement plus importante. Et Genax, on le voit à chaque fois qu'on regarde au top, il est sous sa tour. Tout à fait, surtout que j'ai remarqué un petit peu un truc sur le LoL moderne, c'est qu'en général, quand top et support, t'as pas des picks qui apportent tant de setup que ça, ou de zoning, temporisation, enfin tu vois, ça peut être un Cassanté, ça peut être un grabber, quelque chose comme ça. En général, dans la draft, ça ressemble pas à grand chose. Et là, tu vois, ce Pyke Aatrox, en fight, ça me fait pas rêver personnellement. Alors qu'en face, Rell et Cassanté, je sais qu'ils vont peut-être 2v5 les fights et permettre à leurs 3 carry de parfaitement s'exprimer. Disons que c'est un peu moins dur à jouer. Et voilà, ou à mettre en place, je te rejoins complètement là-dessus. Le grab est excellent sur Kaliste qui ne panique pas. Un heal se repositionne. En fait, c'est simple, ils n'ont pas d'engage les BDS. C'est de la semi-engage assez lente. Il y a les grabs de Pyke, il y a Voli qui peut flank, mais c'est pas... Il n'y a rien de tranchant comme... un Ultivarus ou un flash de Rell. Bon, après, Rell fait partie et est peut-être la meilleure engage du jeu, donc c'est pas non plus tant comparable que ça, mais je sens que là, côté cassé, ils vont pouvoir tenir leur distance en fight et bien faire fonctionner leur draft en attendant un bon flank de Cassanté ou une bonne engage de Fléchi le moment venu. Après, voilà, c'est l'une des faiblesses des BDS, mais ils avaient aussi des points très positifs comme cette early game qui n'ont pas réussi à hard snowball. Ça nous donne une partie... certes, ils sont en avance en gold des BDS, mais on peut parler d'une partie équilibrée, ouais. Je pense, au vu des drafts et du scaling teamfight de la KC qui paraît tout de même excellent. Ah, c'est une très belle première partie de saison. Pendant qu'on est en train de se regrouper autour du héros de la faille sur la mid lane, la T1 qui a encore beaucoup de points de vie. Je suis pas sûr qu'on puisse la sécuriser pour la Carmine, mais ce qu'on veut vraiment jouer, c'est le dragon. Et j'ai pas l'impression qu'on ait une position de flank pour Genax. Et voilà, et là d'un côté, il y a Mainter, full tanking, qui peut se mettre devant, et de l'autre il y a Genax un peu squishy, Hydre qui va essayer de trouver un flank. Oh, Genax il l'a ce flank, ça va peut-être déclencher. Vont-ils trouver l'engage ou vont-ils se faire turn par Fléchi qui a son flash?
Ça hésite, la casse est bien repositionnée. Fléchier qui a envie d'y aller, il y va avec un très bon ultimate. Ça tente de follow-up, Mainter qui y va, mais le follow-up n'est pas assez suffisant. Première exécution récupérée par le Pike. La casse B doit fuir. Ah ben j'ai rien dit, il a fait son travail, Genax, il a zoné. Il a réussi à se mettre en sécurité, il a bait la chaîne corruptrice, on va aller chercher la T1. Et le dragon par contre a été sécurisé par la Carmine. Ils ont pas si cher payé finalement. Hein. Ouais. Et ils ont été intelligents les BDS de pas se jeter finalement dans ce turn que voulait Fléchy. Fléchy s'est senti obligé d'y aller, mais tant parler ce Aatrox. C'était trop menaçant sur le côté du fight. Et le follow-up était impossible. Pour le reste des membres KCB. Ouais, deux dragons contre 3000 gold d'écart. Ah, le temps qu'il rentre dans cette rivière, qu'il se mette en place, que Genax trouve sa position. Et heureusement que tout de même ce Wayce il fait du bien, parce que là Wayce il t'avance, voilà. Et il a pas touché encore hein, son ulti Ricker, mais il arrive à claquer un ulti là-dedans sur qui que ce soit, t'avances un tout petit peu trop, tu te prends ce genre de shoot. Dans ce petit goulot d'étranglement, il serait pas allé très loin la Carmine. Ah, les BDSA ont bien dosé finalement leur avancée dans ce grand couloir. Ils n'ont pas trop commit, ils ont poussé à l'erreur. Là en termes de spike d'item, il va falloir attendre un petit peu pour la casser. Il faut se liandry sur la Talia, ils ont besoin de ses dégâts en fight. Oh, attention, 113 qui va peut-être un peu loin ici, est-ce qu'il peut prendre le reset sur le pack, il va flash directement, il le prendra. Premier reset récupéré par 113, il va pas trouver le stun, attention, il s'est fait firer. Un corps de Pike et très squishy, il va tout simplement mourir à Bedague, toujours en vie, qui essaye de trouver les dégâts, mais Genax qui se déchaîne et prend son deuxième reset et il n'a pas dit son dernier mot. Les sweet spots ne toucheront pas. Peut-il abattre Mainter ou est-ce le Cassanté qui va sortir Mainter? C'est le Cassanté Gaming qui réussira à rattraper le fight. Mais Cassanté, quelle honte ce champion. Genax a fait un superbe travail. On arrive tout de même à faire des pick-up, 4000 gold, hein. On gratte des gold pour BDS. Et j'ai cru que ça partait beaucoup plus mal que ça pour BDS. Ouais, et il fait mal ce Aatrox hein, avec ce but de létalité de Slayer. Et à 113 qui a malheureusement pas respecté ce corps de paille qui est un petit peu faiblard, il faut le dire, quand tu le récupères en tant que Viego. En fait là faut qu'il dash à droite envers son équipe. Ouais. Il a pris trop de contrôle, il a eu trop de dégâts. Ricker avec le Fear qui a bien joué. Et à ce moment-là j'ai eu un petit peu peur, enfin juste avant pour BDS. Mais les travaux de Genax est là, et Cassanté. Hein. Il y a trois joueurs qui lui tapent dessus, les autres sont en fuite. C'est bien ridicule les dégâts qu'il met sur un Aatrox, il y a des tabifs. Hein. Je m'en remettrai jamais en fait, alors qu'il est full tank littéralement. Bon, le Frostfire aide un petit peu mais... Et on est reparti autour de ce Baron Nashor. 4000 gold tout de même hein, pour les BDS. Les exécutions du Pike ont un peu contribué à cette génération de gold. Oh, attention, ça va peut-être déclencher ici. Là, ce qu'il faut pour la casser, c'est vraiment un fight où il y a un catch initial réalisé par Varus ou Rel, et derrière Abedague qui peut follow up et one shot la cible hein. Avec sa Talia, il le peut sans problème pour que 113 ait un reset. Un scénario assez facile à mettre en place finalement quand tu es regroupé en tant qu'équipe. Sauf que les BDS empêchent cela. Ils sont bien déployés sur la carte, font un bon travail de vision autour de ce Nashor qui est apparu il y a 3 minutes maintenant. Et ils ne vont pas laisser ce super combo de teamfight à l'équipe adverse. Ouais. La question que je me pose, c'est est-ce que Genax gagne le 1 contre 1 un jour? Ou alors maintenant? Pour pouvoir mettre un peu de pression en side lane. Parce que là, il faut un peu du surplace BDS. J'ai l'impression qu'on attend un peu l'erreur sur la mid lane. On n'a pas trop reset encore. Il y a juste Parus qui allait chercher des wards. On met pas de pression au bot. Parce que l'erreur Carmine, elle arrive pas tout de suite. Hein. C'est vrai. Je trouve que c'est le Cassanté qui est important dans la draft finalement. Va être très dérangeant pour la backline BDS. Sans ce Cassanté, honnêtement, je donnerais pas cher de la peau la Carmine. Je suis bien d'accord. Là, les BDS sont très très bien avec cette avance en gold, ce way qui scale. Ricker sur des bons teamfights peut avoir un impact indécent avec son champion. Et le troisième Drake, c'est l'objectif hein, pour la casser.
C'est ce qui doit vraiment le jouer. C'est quasiment 5000 gold de retard. Ils sont un peu à la bourre. Ah, ils ont pas la position, c'est pas grave, hein. C'est qu'un deuxième dragon pour BDS. Ils doivent gérer la wave mid. Ça veut le tenter, fléchi à son flash. C'est maintenant qu'ils veulent se play, ouais, mais il y a le carapateur qui donne de la MS au BDS, c'est très intéressant. Abedagu qui va peut-être envoyer un ultimate pour split le fight. Et ils sont bien fait chunk, 113 midlife, Mentor un tiers de point de vie en moins. Ça n'a pas donné grand chose du côté de BDS, tout le monde a encore beaucoup de ressources. Natalia qui se met en position. Natalia qui se met en position et ça y va directement. Fléchi qui arrive à trouver une assez bonne engagement 113, qui ne peut pas follow up, il se fait one tap par Ricker et Genax aussi qui a des dégâts de fou furieux et qui prend en chasse la cassée. C'était décousu tout simplement. Ouais. La coordination est pas totalement là et je pense que même le timing, ils doivent pas le jouer ce timing. BDS viennent pas tant que ça à prendre ce dragon. Karmine perd pas tant que ça parce que l'avoir ça me paraît très compliqué et ça offre le baron Nashor. Avec ça je pense que c'est quasiment game over. Ah, sans doute la game, hein. c'était trop forcé, tu l'as dit. Et mine de rien, l'ultimate de Talia, bah, ça va pas parfaitement se combiner avec un flash engage de Rell. On a vu Viego essayer de follow-up, mais c'était difficile. Et les BDS qui réagissent très très bien. Mentor qui va peut-être se faire attraper. Attention, c'est tout de même du Cassanté Gaming. Il envoie l'ultimate au contact. Ça met énormément de dégâts. Ça sustain Ricker. On a aussi beaucoup, lui aussi. Et Jenna qui ne va pas trembler, qui touchera les sweet spots. Le catch de l'autre côté sur Abedagu. Kedui qui est tout seul sur le Nashor et prend beaucoup de dégâts. On a l'intervention maintenant du reste de la cassée. Attention, ça peut être la fête au reset pour ce Viego. C'est le scénario de rêve peut-être, mais non. Très bon fight de Skewmond, très bon flash out. Il ne mourra pas. Ah, il vient chercher son reset. Il vient chercher son reset et ce baron Nashor doit être abandonné. Les barres de vie sont trop basses. C'est trop dangereux face à un Viego avec un Varus létalité qui est juste derrière. C'est défendu. La Carmine est encore debout. Nashor interrompu. Ce play était audacieux tout de même des BDS, fallait traverser toute la map. Ils n'ont pas non plus des dégainages de fou furieux. Bon après, c'est vraiment dû à Mainter, hein, qui trouve une très bonne TP derrière. C'est un world boss le truc, c'est un world boss. Mm. Genre c'est un boss Elden Ring. Ouais, ils sont obligés de le kite et tout, de flash de l'autre côté, de se mettre max range, le spacing. Ouais, il prend toute la rotation du way et malgré ça, il est pas loin de pouvoir trade et tuer quoi. C'est vraiment un boss de donjon, il y a phase 1, phase 2, phase 3. Ouais. Attention, 25% cassanté, enrage. Il y a la première phase, après il y a la deuxième, c'est quand il ulti. Et la troisième, c'est quand il est à 10% HP et qu'il fait des singeries. Il y a trop de trucs dans le pic. Dinguerie sur dinguerie, sans même que le pic soit accéléré dans les fights. Hein. La Mainter qui maîtrise son cassanté. Hein. Je me rappelle, il y a eu certains plays de sa part durant le dernier split qui était assez fou. Oh que oui. On sent quand même Genax qui arrive à avoir son impact, à bien rentrer dans les fights avec son but de létalité. C'est à cette heure-là que t'arrives au travail, Carnage. Allez, va bosser en régie, on a une pause. Carnage qui débarque. 18h39 dans les locaux. Je sais pas ce qu'il fait. Enfin, 2 heures de retard. Enfin, c'est honteux. Non mais bon. De toute façon, il y a plus... Il a changé. Hein. Ouais. Depuis qu'il travaille avec des influenceurs, il a changé. Ouais. C'est vrai. On le reconnaît plus vraiment, mais bon. Parce que ainsi ne va pas la vie. Ça fait réfléchir. Allez, on se retrouve dans la game sur la mid lane. Le baron Nashor, toujours vivant. Et on va repartir pour une nouvelle danse autour de l'objectif. Les BDS qui ont rééquilibré le compteur des Drake. 6000 gold d'avance maintenant. Et le scaling n'est pas non plus absent. Hein. Un Aatrox au-dessus de la courbe, c'est toujours très intéressant. Troisième item d'ailleurs pour Genax. Et Wei aussi qui, dans l'ombre, accumule des ressources. Bientôt 3 objets pour Ricker, 9 stacks de Darkseal. Il est discret mais très efficace Ricker cette partie. Midliner des BDS qui fait une très bonne game. Allez, tout est contrôlé, hein. Il y a Parus, il y a Skewmond. Par contre, il faut éviter que Ricker se fasse attraper. La coulée de glace en plein milieu, les contrôles mis par Skewmond, Ricker va être obligé de se fight. On a eu le mur d'artiste de Talia et le joueur se fait complètement pick up. Il y a eu des bons dégâts qui ont été mis pendant ce temps. On va essayer d'intercepter Kalis. Genax qui se met complètement en chasse, le flash obligatoire de Kalis. Genax bien sûr qui va venir le chercher. Les sweet spots, Kalis va tomber, les renforts arriveront trop tard. Par contre, les deux joueurs sont du mauvais côté de la carte. Il va falloir se rejoindre, il y a Kedui qui vient d'arriver, il y a un ulti peut-être pour essayer de sauver Parus. Non, il n'y a plus rien. Parus tombe, mais les deux gros tanks BDS finissent peut-être le travail. Et Mainter qui a totalement attrapé Kedui et qui l'a sans zéro juste derrière.
le Cassanté Gaming qui donne de l'espoir à la KC pour ce Fight 113 qui veut rentrer dedans, mais ce Voli est lui aussi un colosse. Fléchy tombera. Plus que deux joueurs en vie de chaque côté. Ah, on tente des choses compliquées, peut-être trop compliquées pour BDS. Cette espèce de semi-bait avec Parus en embuscade, mais tout le monde se fait charger. Heureusement que Aatrox, c'est un champion qui aime bien les combats longs. Mm-hmm. Où il peut vraiment utiliser au maximum sa mobilité, son ulti, ses sweet spots. Là, bon catch, hein. Je sais pas comment ils ont eu l'info. Les BDS, c'était parce qu'il n'y a pas de ward sur le bot side, mais ils arrivent à trouver un fight un peu split. Ah, les dégâts que met Ricker, ouais. Juste avec l'ulti. Avant de tomber, Ricker, il a tout lâché. Il était là, l'ulti de Paru, je l'avais pas vu, je me demandais, enfin l'ulti de Kedui, je me demandais où est-ce qu'il était. Parce que là, bon, Parus, il a peut tout utiliser pour essayer d'avoir ce kill. Il arrive quand même à gagner pas mal de temps et regardez en bas de l'écran, Hunter qui fait du Cassanté Gaming. Kedui qui s'est bien débattu tout de même, il a failli prendre le kill. Étant donné qu'il joue Kalista on it, bien sûr, ça envoie tout de même de lourds dégâts. J'aime bien le mot débattu, c'est, je l'imagine vraiment en train de se noyer dans l'océan Cassanté. Pas loin de le tuer avec son spike 3 items. Vraiment se bat contre la marée. Ah, Cassanté c'est ça, hein, c'est. C'est la nature qui reprend ses droits. Et on est arrivé, ça n'a fait que ce fight. Et le dragon est de retour. Parce que le dernier fight au dragon, ça enchaînait fight au baron, puis après on a fait que ça. Ah, le spike Rabadon est important sur la Talia. C'est ce qu'il faut essayer de temporiser pour la casser. Ça peut faire la différence. Il doit vraiment trouver des one burst pour un reset du Viego. Côté BDS, bah, il faut voilà, trouver des flancs, trouver des drakes, pourquoi pas ce troisième dragon. Est-ce que 113 va jouer ici au niveau du smite, c'est récupéré par Scoobond, mais ça tente un fight de l'autre côté à Abedago qui se fait ramener de l'autre côté de son propre mur et la réengage à l'ulti de la part de Parus. C'est excellent, Parus qui fait un fight de fou furieux et qui vient même chercher les resets. Les barres de points de vie sont basses pour les BDS, mais le clutch est présent et le fight est tout simplement détruit. 113 se fait balader dans le fight. Les BDS ont tout simplement evolve sur ce team fight. J'ai l'impression que le mur de la Talia les a hard troll. Alors, il n'y a pas que ça, mais j'ai un peu l'impression qu'ils sont stoppés net, qu'ils ont pas voulu jouer le dragon, ils ont sauté directement sur leurs adversaires, mais encore une fois, la coordination en teamfight du côté de Cassé, elle n'est pas encore au point. Oui. C'est normal, voilà, mid-jungle qui viennent de débarquer fraîchement, on ne pouvait pas attendre à ce que ce soit aussi efficace qu'une équipe qui, elle, n'a pas changé son roster. Mais il y a des moments où ça se sent. Ouais, ça se ressent hein, dans... Ça se ressent dans cette game. Pas autant en... Comment dire, en symbiose, j'ai envie de dire, par rapport aux BDS qui, eux, déroulent à chaque fois, ça space bien. Là, Parus qui perd pas son temps. Un play agressif et déterminant, regardez-le, avec son pike. Parce que là, Kelly passe de l'autre côté et... Ouais, ils sont tous bloqués. Ils peuvent pas jouer. Mainter, il peut pas jouer. Il se fait juste blaster par Kedui. Alors, dans l'idée, on comprend le mur de la tisseuse, attraper Kedui, mais la finalité, c'est que ça les a plus troll qu'autre chose. Parce que Monde qui réagit très très bien à la tentative de 213 de récupérer son corps. Et là, ça devient très dur, hein. 4 items pour Kalista. Normalement, c'est tout droit, ils ont récupéré le Nashor, les BDS, qui ont fait un superbe fight. Et là, on sent qu'ils ont réellement fait le break dans cette partie. Là, ils ont vraiment cette surcouche d'items défensifs maintenant. Il y a une Thornmail, un GA sur le Aatrox, 4 items sur Kalista. Et Ricker qui doit, lui, tout de même faire un peu attention avec son Way, mais qui est là pour distribuer de très très lourds dégâts, même en phase de Siege, comme on peut le voir ici. Il y a un inhibiteur à prendre pour Jhenax au mid. Alors c'est un peu le problème, c'est qu'on peut poke avec Ricker, mais la range pour taper la tour elle est désastreuse pour BDS. Faut attendre les autos de Kedui, faut trouver une façon de zoner. Il va falloir s'armer de patience pour BDS. Cette game elle est pas encore totalement terminée, il y a de grands moyens qu'on aille jusqu'à l'âme infernale. Sauf si 113 fait une dinguerie. Ce qu'il avait l'air parti de pour faire. Ça résiste bien au niveau des tourelles, Parus qui tente un grab ici. C'est le Cassanté Gaming en face de lui.
qui frappe, c'est Smithers qui est midlife, ça tente d'attraper Genax. Et ils vont s'arrêter là. Fier, normalement il a un GA, mais ça y va jusqu'au bout, ça peut être une très bonne opération, surtout si ça prend le GA dans l'opération, mais Genax survit. Genax sustain. Arrivée de son équipe ici, Kaliste qui prépare la flèche à l'arrivée. Ah, ils sont pas entendus. Ils sont pas entendus parce qu'on avait un bac de Parus, on avait aussi un bac de Ricker, il est resté un petit peu trop longtemps Genax. Il s'est fait enclencher. Ça n'a pas une importance trop grave au BDS. Mais ça va mettre tranquillement vers le dragon infernal. Le gros point positif pour la casser, c'est que ce Aatrox n'aura pas de GA pour le prochain Nash et le fight de la Soul. Et ça, c'est un bon point positif. Après, il y a de la réserve. Il y a de la réserve chez les BDS. Il est parti sur QSS derrière Genax. Hein. Mais on a tout de même 4 items sur le Varus, le Rabadon sur Abedague. Il y a encore un petit shot à jouer pour la casser. Ah, s'il le gagne, c'est balèze. Hein. Il y a quand même 12 000 gold de retard. Hein. C'est une petite stat. Hein. C'est vrai. Et quand tu vois les items et que tu sais qu'il y a un Viego qui peut prendre le corps de ses adversaires, tout ça, je trouve que les 12 kagols sont pas si frappants que ça. Après, c'est sûr que c'est tout de même une très belle avance. Mais là, il y a le GA qui est down. Il y a aussi un stacker d'items support chez la KC, alors qu'il n'y en a pas en face. Hein. Et à Solari Night Vow, c'est quand même à ne pas négliger. Des items super forts dans la méta. Et les BDS tout de même favoris par rapport au prochain fight. Ah, il va falloir trouver une façon de rentrer dans cette rivière. Téléportation de Genax sur le bot side. 113 qui a tenté de go. 113 qui va se faire attraper et qui prend un midlife d'entrée de jeu. Il va falloir trouver une façon de sustain. Genax en position de flank. Le teamfight est idéal pour les BDS. Genax a peut-être envie d'y aller. Le twist spot qui ne passera pas. Oh, ils sont sous pression cassée. La position est récupérée, Dragon dans 3. Les BDS vont le pull, hein. ils en ont tout intérêt. Entre ce qui n'a plus de points de vie. Les spires qui se plantent une à une dans ce dragon, Kedui qui le veut. Il veut ce Drake, il veut cette soul. Ah, Kedui, le flash, repositionnement sur l'engage de Fléchi. Le flanking de Genax dans la backline, ça va être un massacre. Flash out de Kaliste. On essaie de faire le kidnapping pour Cassanté, mais ça ne suffit pas. Et Genax est toujours en train de cleave à lui tout seul. Il fait reculer toute la backline Carmine. Et on pourrait arriver vers une fin de game. Ça ping les inhibiteurs, ça ping les tours. Dragon récupéré par 113, mais à quel prix? Les 5 BDS sont en vie. Ils ont le global red buff aussi qui remonte bien les barres de points de vie. Et ça va tout droit. Il devrait y avoir du wave clear tout de même avec Abedague et Kaliste. Il n'y a pas de Nash en face. Il devrait pouvoir défendre, mais attention. Ça va dive. Hein. Ricker peut tout de même envoyer de sacrés nukes avec son wave. Il est niveau 18. Et les tours qui commencent à se faire engager. On va essayer de tuer le tank. On a réussi à tomber un joueur. Est-ce qu'on peut défendre le Nexus? La dernière T4 est en train de tomber. On a perdu Fléchy du côté de la Carmine. Le flash-in de Genax. Il va aller chercher Kaliste sous la chaîne. Et c'est bon. La première game de ce Summer Split de LFL sera remportée par BDS Academy. Les BDS bien en place, convaincants dans cette partie. Ils se sont fait un petit peu peur à certains moments. Mais dans les teamfights, on sent que voilà, il y a une bonne cohésion au niveau de l'équipe. Et ils nous ont encore cook. Petite vidéo, regardons ça. Ça, j'avais oublié. Un petit thriller. Alors, je vais voir la danse là maintenant. Oh, je m'attendais à un petit moonwall de Ricker. Ah, j'ai cru qu'il allait chauffer, mais peut-être pour la prochaine fois. Ouais, dommage. Ricker nous a pas montré ses moves. Mais belle game de BDS. La KC, c'est assez bien défendu. Maintenant, ouais. On sent que dans les teamfights, dans la coordination, de temps en temps, il y a encore quelques miscoms. Il y a encore. Tout le monde n'est pas totalement sur la même page. Ouais, c'est rude. Faut réussir à trouver une bonne synergie d'équipe. Aussi, les Viego. Enfin, forcer des compos Viego et bien les jouer, c'est difficile. Il y a aussi eu la perte de l'Insas chez la KC. Bon, c'est pas n'importe quel joueur à remplacer, honnêtement. Donc voilà, après ça reste qu'une game contre des BDS qui eux n'ont pas fait de changement et ont été très stables, que ce soit en game ou même de manière générale. Ils avaient aussi le blue side, mais beaucoup à dire sur cette rencontre. Ce sera pour le desk avec Tréton, Twix et Chips. C'est à vous messieurs, et Tréton qui est en train de me faire un geste assez obscène, mais on va vite le recadrer, ne vous inquiétez pas.
calomnie, je n'ai absolument rien vu du tout. Mesdames et messieurs, donc les champions en titre qui tombent pour leur match d'introduction, les BDS Academy sont victorieux pour ce remake de la grande finale en BO1, bien entendu. Débrief, évidemment, nous on a donné nos MVP, on s'est régalé sur le match, on a vu beaucoup d'actions. Honnêtement, il y a une remontée en plus de ça, un peu de cassé pour équilibrer les choses avant la descente ultime. Mais ma foi, Pike, Way, Cassanté, on se régale. Ambiance très très early game pour BDS Academy, effectivement. Voli, c'est pas un champion qu'on a beaucoup vu, bah, notamment au MSI, oui. Mais c'est un champion qui a beaucoup pesé dans les playoffs de LFL et dans les IMI Masters. Tout ça avec une botlane Kalista Pike. Bon, je pense que l'idée chez BDSA était très claire, c'était stomp la mid lane, enfin stomp la bot lane, pardon. Ce qu'ils ont. Ils n'ont pas non plus tombe, je dirais, mais en fait, c'est plus les événements collectifs avec l'arrivée de 113. Oui. Il y a eu des loupés en early game pour la KCB. Il faut dire, Fléchy a, je trouve, a eu du mal à rentrer dans son match au niveau des spells de Sarel. Il est pas mal passé à côté et du coup, bah, ça snowball un peu du côté de BDS qui n'était pas la bonne histoire pour la KCB. Ouais, ils arrivaient pas à être leur jungle support, bah, était tout simplement moins coordonné et avait peut-être aussi des champions qui étaient plus difficiles à jouer que ceux de. Ceux de BDS, même si Pike en soi est difficile, Pike, mais dans le sens difficile, oui, en termes d'avoir un apport dans les teamfights, etc., mais dans la prise de vision, dans la manière de démarrer les escarmouches, etc., ils sont relativement aisés à ce niveau-là dans les 4v4 en very early. En teamfight, ce sera une autre histoire. Mais en teamfight, pour BDS, ceux qui ont vraiment pris le relais, c'est toujours ce Voli, mais c'est aussi le Aatrox qui, à un moment, a complètement outskill, qui s'est mis à avoir 5000 gold d'avance, etc. Une folie. Mais ça, je pense que c'est aussi pas mal dû à une meilleure gestion du mid-game. Il faudrait regarder un peu plus en détail, mais de BDS Academy par rapport à KCB, parce que c'est pas normal qu'à ce point-là, il soit passé derrière en mid-game, je pense. Ouais, bien sûr, il y a une absorption de wave qui est indéniable, mais n'oublions pas également que Pike existe. Oui, ça aide à créer l'écart en gold. Il crée des golds, c'est sûr, mais. Il crée 2000, senti, quoi. J'ai senti la KC, effectivement, une fois que t'avais passé la phase de lane. Manque de coordination, souvent par moment, des petits sentiments qui pouvaient être perdus, ce qui pose des questions toujours, bah, et c'est ce qu'on se demandait. Est-ce que le départ de l'INSA, c'est sa capacité à shot call, allait être compensée ou pas dans cette version de KC ? Pour l'instant. Leur compo aussi fait qu'il n'y a que Fléchy qui peut engager, quoi. Mais je suis d'accord avec toi, il y a un côté. Il n'y a pas que les engages de Fléchy, tu vois, il y a le sentiment qu'ils étaient un peu. Enfin, tu sens qu'il y a le talent mécanique pour faire des trucs. Mais dans les setups, dans la prise de position, etc., la façon de bouger, je les ai sentis un peu, enfin, même carrément derrière BDS. Chaque rôle n'est pas clairement défini. Et puis bon, ouais. Quand tu parles de seul engage, en réalité, il y a Rel, Varus qui servent de pré-setup à Thalia. Enfin, c'est une composition qui est cohérente, quoi, pour le coup. Bah, donc, mon point de vue, elle est plus facile à jouer en late game que celle de BDS, j'irais celle de KC quand même. Oui. Après, ils avaient beaucoup de retard au gold, donc ça devient difficile. Ouais, sans vision, c'est forcément compliqué pour eux, mais KC, de toute façon, ils ont de nouveau mid jungle, ils vont s'y faire. Alors, les games étaient intéressants, BDS Academy était plus fort comme prévu. Juste des fois, ils ont voulu en faire un petit peu trop, par exemple sur le Nashor où ils le startent à 2 pendant qu'ils tuent un KC dans la jungle, etc. Oui. Je pense que BDS a des erreurs qui sont assez clairs à débrief ici, mais dans la globalité on les a sentis au-dessus du début à la fin. Et intéressant quand même, on a senti la patte de l'arrivée de 113, l'air de rien, parce qu'il blind pick son Viego dans les deux premiers champions finalement de la KC, donc on y allait avec beaucoup d'ambition, ouais. Pour leur league game du côté de KC. Moi j'aime bien l'idée, faut qu'il se règle parce que ouais. J'ai senti notamment 113 et Fléchy, pour l'instant ça connecte, en tout cas ça n'a pas connecté dans ce match là clairement. Bah, c'est le début de saison de toute façon, hein, pas de grosse conclusion à tirer, si ce n'est un sourire pour les BDS Academy. On va pouvoir accueillir le support des BDS Academy, Parus, le MVP de la saison précédente. Parus, welcome on the desk, congratulations on the win, how are you doing man, it's been so long dear MVP. Hello, yeah, I'm feeling good. We played kind of fun game. The champions are fun. I played Pike first game. Yeah. My OTP. Feeling good. Do we describe it as your OTP now, or was it already before? No, it was like. You're just too good on it. Pike and Camille. I just love it. It's so fun. All right. What were your expectations coming into this summer split, and especially facing, of course, KC Blue? After the grand final in the spring? We're expecting to win, obviously. I don't think we deserve to. In final, we choked it really bad. We didn't deserve to win that one, but we know we are a better team.
We know we're gonna do better this split, and I think first game was kinda fine for that. All right, as your mid laner said in the trailer, this one will be different. Could you maybe tell us how went your off season? Because BDSA is one of the few teams that made no changes. Were you expecting everyone to stick together for the summer split? Yeah, everyone knows we are a good team. We just had a bad power fives. We actually played really bad. But other than that, we know we are just good players. I think everyone is best in their role in the league. We know we're going to perform well and we're going to win this summer. Yeah, we were kind of expecting you guys to be seduced by some LEC teams. Without revealing too much, were you kind of in some discussions with some teams? Like, not, I don't want to say too much, but sure, kinda. Sure. I still want to stay in BDS and get some trophies with this team. Yeah, we were really happy to see you guys sticking together after such an amazing spring triton. You have won. Yeah, obviously, KCB changed vers mid jungle. Did it feel different for you to play in game? Did you feel maybe the play style was a bit changing in KC? Not much. I think just champion wise, maybe like one team usually needs to get killed early to snowball game and carry the game. But other than that, in regular season, we always beat KC and we were going to beat them. Like, it's normal for us. Not much for us, actually. And Parus, I had a question about the patch. Of course, you are playing on an older patch than the live one. How does it feel? Is it a bit frustrating for you and for your mates, maybe not to play on the current patch? Yeah, like it's. I really want to play in new patch. There is new boots for support that you can base in 4 seconds. That's crazy. The intim like boots. Yeah, you can do so much with that boot. It's so fun. I just want to go next week really fast. We can't wait to see you and see your new technologies. We got the first MVP for this match, dear Spring MVP, and you will have to work harder because Genax took you the first one with his Aatrox. It was well-deserved. He laned against Cassante and really had an amazing impact in team fights. Congratulations to your top laner. Yeah, he deserved it. Well played. All right, Faris, would you like to add some final words before we leave you to celebrate and prepare for tomorrow? And on another topic, I really like your new jerseys in BDSA. They look really cool. Yeah, I think so too. They look really fresh. I think it's really good, everything about the jersey. I like it. The things I want to say is we're going to be successful this split. I promise it will be different. Thank you so much. We see you quoting Ricker. Enjoy your night, dear Paris, and see you tomorrow on the Rift. Congratulations again. Thank you. See you. See you. Thank you. Voilà, mesdames et messieurs, Paris, donc qui nous livre, eh bien que l'off season, eh bien était un petit peu mouvementé du côté de BDSA parce que beaucoup de personnes les ont appelés. Tout naturellement, c'est une équipe blindée de talent, mais ils ont décidé de rester ensemble, ce qu'on célèbre très largement. Son Pyke en game d'introduction, lui, c'est ce qu'il préfère jouer, bien sûr, Pyke Camille. Très frustré aussi de ne pas jouer sur le nouveau patch et la nouvelle saison, étant donné que voilà, il est très très hype par les nouvelles bottes de support avec le reset à 4 secondes, buff oui, flash, etc. Ça. Très intéressant, effectivement. Tu vas peut-être lui voler les technos très tôt. Ouais, parce que moi, je trouve ça nul. Et il disait aussi un truc intéressant, c'est qu'il a dit qu'il pensait que tous les joueurs de BDS étaient les meilleurs à leur rôle par poste. Et tu sens qu'ils sont très très confiants et directement, il dit on est là pour win, quoi. Exactement, donc félicitations à Parus et Genax qui récupère le MVP. Donc pour le MVP qu'est Parus, bien sûr, par rapport au Spring, il va falloir mettre les bouchées doubles s'il veut réaliser le back-to-back. Mesdames et messieurs, on va maintenant entamer la transition vers la seconde game de la journée et on perd pas les bonnes habitudes, on demande à Tréton ce que c'est. Frérot, j'en ai littéralement. Il doit y avoir TDS dedans. AIG CDS. Merci. J'en avais un des deux, mais quelqu'un c'est trop dur. TDS contre AIGIS pour leur rentrer dans le Summer Split juste après la pause sur OTP, à tout de suite.